Ok les gars, nouvelle vidéo Resident Evil, épisode 13. J'espère que vous êtes tous extrêmement bien aujourd'hui. Moi ça pourrait aller bientôt les gars. Il y aura des lives avec de la meilleure qualité, peut-être plus de vidéos, on sait pas. Un miracle se produira peut-être. On va continuer ce qu'on est en train de faire. Welcome. Enfin, on va continuer la suite de l'aventure. Got some rep. What are you buying? Du coup, je sais plus. What are you Dans le buying? Dernier épisode, on a battu le boss du jeu, je crois. Come back anytime. Et je crois que c'est tout ce qu'on a fait à peu près. Oh. Fine. Hop. Hey bro, comment ça va? Papa, un petit balle de pompe qui font plaise. Attendez les gars, ça va être rapide. Ah. Je sais pas, il a fait un tour dans le four le frérot. Attends, c'est un four ça, non? Non, je crois pas. Bah, il est KO. Les balles sont revenues. On est riche. C'est pour la statuette que vous avez vue dans l'épisode précédent. Et hop, du coup on va aller voir pourquoi il a le cri, parce que là on va en retrouver je pense. Non Ashley. Oh mais on a votre caméra les gens en fait. Oh, oh.
ça doit faire mal. Oh, il me regarde. Oh, il a dit vas-y. Le seul mot français du jeu qu'il a dit. Le seul mot en français qu'on a entendu. Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Coming for. Bon, bah voilà. Oh, si vous voulez, on peut faire ça. Hop. Et là, ça va devenir plus horrifique que prévu. Là. Regardez, je vous explique. À un certain moment, vous allez voir des trucs très terrifiants. Mais pas eux, on y est presque. On atteint presque les moments les plus terrifiants du jeu. Enfin, pour moi, c'est plus terrifiant. Genre, ça m'aurait terrifié il y a 8 ans. Got some rare. What are you buying? Genre, quand je l'avais fait quand j'étais petit, what are you selling? J'y arrivais pas, j'avais peur. Mais là, maintenant, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'avoir peur. What are you buying? Du coup, bah, je vais réussir sans problème normalement. Hop, on va faire la le dernier stand de tir. Hop. Ah oui, mince, faut que j'aille le voir lui. Welcome. Hop, toujours la PM, parce que la précision c'est le plus important dans ce jeu. Que les gars, merde, j'ai pas fait la bonne. J'ai pas pris la bonne série, c'est la série D. C'est bon, on a terminé tous les trucs de bouteilles là, les cibles, tous les bouchons du coup. 50 000 PZ, c'est énorme, c'est vraiment utile pour got la suite rare. Quoi. What are you buying? Yep. Thank you. On améliore cette arme là parce qu'après il va falloir l'améliorer au maximum parce que ce sera la meilleure arme du jeu à améliorer clairement. Vous allez comprendre pourquoi quand je l'aurai mieux amélioré au maximum, pardon. Et du coup, on va continuer. Hop. Petit émeraude. Come on.
passer vraiment, vous allez voir, au moment le plus horrifique du jeu qui se trouve derrière cette porte. Enfin, pas celle-là, mais une autre. Vous allez voir très vite que, vous voyez, il y a déjà la musique. Ça, c'est la porte qui vous permet de sortir, comme vous avez vu. Il y avait une porte verrouillée que j'ai pas pu ouvrir. À moins que j'ai même pas essayé, je crois. Et vous allez comprendre très vite que le moment horrifique commence maintenant. Enfin, que le jeu horrifique commence maintenant. Normalement. Là, vous voyez, là, il y a un truc, je sais pas si pour ceux qui connaissent, ça s'appelle la chambre froide. C'est là où vous entreposez toutes les viandes. Quand, enfin, d'un boucher. Vous avez les bouchers, là, ceux qui utilisent de la viande tous les jours, bah, ils utilisent des endroits comme ça pour conserver leurs aliments, la viande, tout ça, tu captes ou pas. Puis voilà. Hop. Oh. Et là, on va par ici. Et là, vous voyez que c'est un endroit pas très accueillant du tout. Je vais voir qu'il y a bien pire. Là, j'ai clairement pas besoin de changer d'arme. Et là, vous voyez, il y a un monstre là. Bah, c'est justement ce. C'est le monstre qu'on va devoir affronter maintenant, les gars. Et vous allez voir qu'il est pas gentil du tout. Là, il y a un petit objet là, c'est une émeraude. Va falloir aller ici pour aller la récupérer. Mais d'abord, allons dans cette petite chambre. Alors, hop. Là, je vous invite à lire, ça va sûrement parler du monstre le plus puissant du jeu, on va dire. Justement, ça parle justement de cette bête là. Ils en parlent dans justement le truc que je viens de vous montrer. Pour vous dire à quel point c'est compliqué. Là, vous voyez, c'est la carte que j'ai besoin. Mais vous allez voir qu'après l'avoir pris, vous allez avoir une surprise. Et la surprise, on va pas s'éterniser dessus, c'est moi qui vous le dis. Et on va recharger ça aussi. Hop. Et là, on se casse. Allez, vite, on se casse. Et là, vous voyez maintenant qu'il y en a beaucoup. Ils sont apparus comme par magie. Mais justement, c'est pas les plus méchants. Le plus méchant, c'était le tout premier à battre. Et voilà, du coup. Hop, on va le calmer un peu. Vous voyez ces beaux yeux là? Les gars, pour ceux qui savent. Oula. Ce qui veut dire que quand il est indestructible. Indestructible, bah, il fait peur en fait. Hop. Voilà, je l'ai calmé, les gars. Il donne 5000.
mais on va rester discret les gars, parce que il y en a un, vous l'entendez. Oula, ça c'est pas très discret à faire, mais bon. En fait, il est situé là. Là, vous voyez mon viseur, là. Je pense que vous le voyez. Et ben, il est situé juste derrière, là, dans l'angle. Et moi, je vais insérer ce truc. Hop là. Là, à partir de là, à partir du moment où je suis arrivé là, les gars, bah, le jeu va devenir 10 fois plus simple. Même avec ces monstres-là, que vous voyez, là. Regardez sa belle dentition, attendez, on va voir mieux là. Hop. Là vous le voyez mieux, avec ses beaux yeux rouges là. Ses beaux chicots là, d'ailleurs il sait pas laver les dents depuis 3 ans. Et puis voilà quoi. Et le petit objet que vous voyez s'appelle une lunette infrarouge. Et vous allez voir qu'elle va m'être utile pour toute la durée de l'aventure, hein, clairement. Au moins ça va, j'ai pas eu besoin à taper celui-là, qui aurait été un peu plus vénère, je pense. Oula. Très beau ça, c'est une araignée on dirait. Hop là. Oh oh. Allez les gars, c'est parti. On va équiper la lunette qui se situe là, combinée avec le sniper. Il y avait eu des petits insectes sur lui. Les petits insectes, bah, c'est leur point faible. J'ai juste à les frapper tous un par un, puis c'est bon. Et du coup, voilà. Le jeu va être 1800 fois plus simple maintenant. Et du coup, bah, lui, on va faire pareil. Attends, je vais juste regarder. Ouais, vous voyez, j'ai une énorme quantité de balles de sniper, mais ça part super vite. Hop. Oh, dommage. Il apprécie pas. Comme vous avez pu le constater, on en a laissé au début et c'est le plus puissant des deux autres, enfin des trois du coup, vu qu'il y en a trois pour l'instant. Il y en a trois, je sais pas s'il vient vers nous. Alors par réflexe je fais ça moi. Du coup il va venir, je nous ai entendu. Vous l'entendez d'ailleurs marcher. Je raconte moi des bêtises.
Et du coup, on va continuer quand on a exterminé littéralement ces bestiaux. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'un pompe? Je dirais que oui. Donc on insère la petite clé là, enfin la carte d'accès. La carte d'accès à la décharge, hein. Si vous préférez. Ouais, bah ça peut être que la décharge de toute façon. Et là on va jouer. On va essayer de prendre les deux d'un coup. Let's go, on a eu les deux. Alors ça, par contre, ça c'est un bug du jeu, ça. Imperfect si j'avais réussi du premier coup. Et hop, on reprend l'émeraude. Et on continue. Hop, on insère la petite herbe. Avec le mélange, du coup c'est un mélange qui se revend 10 000 pièces. Vous allez voir qu'à un moment je vais sûrement vendre. Son regard souriant là. Hop, ah bah attends. Hop, du coup, on a besoin d'une carte d'accès, vous allez voir que pour ça. Bah y a pas 36 solutions, il va falloir aller la chercher. Voilà, grenade aveuglante. Et on continue. Hop. Enfin, on continuera dans le prochain épisode. Du coup, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification. Et on se dit à plus pour un prochain live ou une prochaine vidéo, les gars, des bisous.